Voilà, Est-ce que là on m'entend Est-ce que maintenant vous m'entendez Je vois, je regarde sur le live qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui ne m'entendaient pas. Est-ce que maintenant vous m'entendez J'attends les réponses. Ah, il y a au moins euh, Greta Miflu qui m'entend. Ah, c'est bon, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ok, donc je recommence. Je recommence depuis le début. C'était pas, c'était pas loin du début. Donc je suis Adrien Altar. Je suis un des médecins euh, des urgences de Louis-Maurier et du SAMU à Garches. Euh, je vais donc euh, vous parler aujourd'hui de plusieurs types de pathologies, pas forcément euh, euh, les plus fréquemment abordées, euh, pour pouvoir aller voir aussi un petit peu ce qu'on fait chez Cartesia, aller plus loin puisqu'on est maintenant euh, Proche des océans, donc je vais pas vous parler des choses dont tout le monde parle et qui sont trop faciles. On va essayer de s'éloigner un petit peu de tout ça. Euh, pour autant, donc voilà, il y a un chat à côté, je le vois, euh, je, je vais essayer de lire les commentaires au fur et à mesure. Maintenant, vous êtes a priori 250 à, à me voir à l'heure actuelle. Donc euh, je pourrais pas forcément répondre à toutes, mais en tout cas j'essaierai de répondre aux questions qui viennent le plus fréquemment et au maximum de questions euh, que vous me poserez, soit au fur et à mesure, soit juste après la diapo ou la, ou la suivante, si j'estime que cette question est répondue juste après. Bref, on commence euh, par vous présenter. Euh, Est-ce que... Alors j'ai pas besoin de savoir... Euh, euh, si vous avez un chien ou si vous préférez le jaune ou le bleu, je veux juste savoir si vous êtes plutôt en D2, en D3, en D4, euh, ou si vous êtes en écho, c'est la prochaine porte à gauche parce que là vous êtes planté. Euh, Est-ce que, voilà, est que vous êtes euh, plutôt en D2, D3 ou D4 Je vais voir arriver les commentaires. Ah bah ben voilà, il y a du D3, il y a du D4. Euh, je vais de toute façon ce cours est adapté un peu à tous les niveaux puisque comme je vous l'ai expliqué euh, il c'est des, des items qui sont pas forcément très bien expliqués euh, chez les autres et qu'on va essayer de développer ici. Je vois qu'il y a pas mal de D4 et comme je vous le dis, ce sera adapté aussi pour vous. Courage les gars, c'est pour bientôt. Euh, voilà. Donc nos objectifs, c'est de reprendre la base. Hein. Le but, euh, c'est de ne pas oublier la base parce que c'est là-dessus qu'on vous attendra absolument. C'est les points qu'il faut pas perdre à l'ECN et, euh, et surtout sur ce genre d'item, comme je vous ai dit, il faut pas euh, oublier de partir du début, aller plus loin parce qu'effectivement, il euh, n'y a pas que les bases. Il y en a qui sont plus ou moins avancées. Euh, on est tous, enfin, ceux qui aiment les matos n'aiment pas la cardio. Ceux qui aiment la cardio aime pas les matos, donc euh, du coup il en faut un peu pour tout le monde. Donc reprendre les bases, aller plus loin euh, et rester dans la vraie vie. L'idée c'est de bien comprendre que les gens qui vous font les examens sont des médecins qui voient des patients et qui vont vous ancrer un peu dans la vraie vie. Ne pas oublier ça euh, quand vous faites vos vos, vos questionnaires et, et, et vos examens parce que si vous demandez un bilan lipidique euh, alors qu'on est en train de l'intuber, bah, c'est que vraiment vous passez à côté du dossier. Faut pas oublier qu'on reste un petit peu dans la vraie vie. Et moi je suis médecin, je suis médecin, c'est mon quotidien euh, de voir des patients, donc je vais vous parler de mon expérience, euh, mais un peu, pas trop, et rester dans l'ECN, objectif ECN. Alors. Très bon. vous, prenez pas trop de notes, écoutez beaucoup ce que je dis, regardez les diapos, vous aurez le support, il est déjà disponible je crois dans les commentaires, à savoir qu'il y a un petit questionnaire à répondre qui nous aide énormément pour réadapter ensuite euh, nos formats en fonction de ce que vous nous répondez. Donc répondez bien à ce questionnaire parce que euh, ça prend deux minutes et nous, ça nous aide finalement à nous améliorer pour mieux vous aider. Euh, et puis ensuite vous avez tout le diaporama. Euh, disponible avec euh, tout ce qu'il y a dessus mais vous allez voir il n'y a pas grand chose sur les diapos pour que ça reste clair alors on va partir donc on est au, au samu vous êtes dans un camion de, de smur hein. c'est écrit euh, pardon c'est écrit là euh, et vous partez sur un incendie euh, dans une maison donc il y, y a maman il y a papa et puis il y, y a jennifer et kevin il euh, y a maman qui faisait les frites et qui s'est pris euh, de l'huile sur elle. La maison a pris feu. Donc l'idée c'est de bien comprendre que ça c'est pour vous déstabiliser. Vous êtes en camion de ce smur, euh, il faut pas se laisser déstabiliser. Vous avez le droit à peu près à, à tout, hein, en restant un peu logique. Il hein, n'y a pas de pas d'imagerie, euh, pas de grosse biologie, mais il y a un peu de biologie déportée. Et, euh, et en vrai. Voilà, vous avez le droit à un petit peu près tout ce que, tout ce que vous, vous avez à l'hôpital. Le SMUR est bien pour ça. Alors, tac. Donc, voilà l'état de la main euh, de maman. Elle a reçu toute l'huile sur elle. Euh, donc, elle s'est brûlée le thorax, elle s'est brûlée l'abdomen. Elle s'est brûlée euh, toute la, la face antérieure, euh, pardon, la face antérieure du membre inférieur gauche et du poignet gauche. Ces euh, constantes sont plutôt correctes. Elle a une température à 38, une saturation normale, et cet aspect des lésions. Attention, ça va être bientôt à vous. Donc, comme je vous disais, le but, ce n'est pas de vous faire un ECN. On n'est pas du tout dans les conditions d'ECN. Vous êtes chez vous en pyjama. Euh, dans votre lit, on est... Euh, moi je ne suis pas non plus un correcteur officiel de l'ECN, mais le but c'est de vous apprendre des trucs. Donc c'est pas un format ECN. Euh, mais mettez quand même des réponses et on va voir au fur et à mesure. Le but c'est pas de vous évaluer non plus. Hein, comme je vous ai dit, vous êtes maintenant 395. Euh, je vais pas regarder euh, et dire, ah là là, euh, Marie elle a mis la mauvaise réponse. Donc mettez quand même vos réponses, comme ça je, on voit aussi si, si vous êtes en difficulté ou pas. Donc, est-ce que c'est une brûlure du premier, deuxième, deuxième, troisième, quatrième degré Est-ce que la surface brûlée est de 1%, 10%, 50% La première mesure, euh, qu'est-ce que c'est En un mot. Alors, je sais que c'est pas comme ça le CN, mais en un mot, essayez de réfléchir. Euh, parce que en tête, il faut avoir ça. Le traitement, en quelques mots. Et puis surtout, oui, non, parle-t-on de grands brûlé Allons-y, je vous laisse un petit peu répondre. Je vous laisse une petite dizaine de secondes. On va même mettre un chrono, comme ça, ça fait classe. Une dizaine de secondes pour répondre. Et puis ensuite, on va passer à la suite. Alors, on va répondre à toutes ces questions. Donc, la première question, c'était euh, quel est le degré de la plaie Alors, il faut bien comprendre déjà au niveau physiopathe que euh, le premier degré, c'est uniquement la partie euh, de l'épiderme. Donc c'est cette partie qui est vraiment très superficielle euh, qui va être touchée. Donc ça va donner en fait un coup de soleil, euh, une rougeur euh, qui est douloureuse, euh, surtout au contact, et qui s'en remet parfaitement bien. Ce premier degré ne compte pas, entre guillemets, quand on compte la surface brûlée. On compte à partir du deuxième degré. Euh, le deuxième degré superficiel, il y a déjà une atteinte du derme, du derme superficiel. On parle de degré superficiel et de degré profond plutôt que deuxième et troisième et quatrième parce que dans les deux cas, ça touche le derme. Alors que le troisième degré, on va le voir, ça touche les tissus sous-cutanés. Sous, sous euh, donc le derme superficiel, on voit qu'il y a déjà des, des nerfs qui, qui commencent à être touchés. Maintenant, très important, il n'y a pas à la base du poil. Euh, et il euh, n'y a pas les vaisseaux, il n'y a pas le, euh, le, finalement l'essentiel le, des nerfs. Donc qu'est-ce que ça donne Ça donne des flictènes avec un fond plutôt rosé euh, qui est douloureux au contact. Euh, et si vous venez l'idée de scarifier, ça saigne. Euh, mais en tout cas, c'est décrit comme ça. En tout cas, les poils sont préservés il y a toujours les poils à cet endroit-là. Et c'est douloureux. C'est très important à retenir ça. C'est surtout là-dessus qu'on. Qu'on vous donnera les indices. Le deuxième degré profond, euh, désolé pour ceux qui sont à table, euh, le deuxième degré profond, euh, c'est pareil, c'est des flictènes, sauf que c'est un fond blanchâtre euh, qui est, commence à être. En, il commence à y avoir une hypoesthésie, donc euh, c'est non douloureux ou peu douloureux, hein, et ça se voit vraiment comme ça, c'est-à-dire vraiment vous mettez le doigt, il dit qu'il a pas mal. Euh, par contre, euh, donc à ce fond blanchâtre, il y a une dépilation, donc euh, les poils qui, qui soit qui s'arrachent tout seuls, soit qui sont partis, euh, il y a une atteinte vraiment du, du, du derme profond. Et enfin, les tissus sous-quétanés, donc euh, là on a une peau noire, euh, nécrotique, euh, là ça devient quand même beaucoup plus grave et euh, ça exige des soins très spécialisés euh, à ce niveau-là. Donc là, pareil, hein, il n'y a plus de douleur. Euh, et à la scarification, que ce soit de deuxième degré profond euh, ou troisième degré, cette fois il y a, y a plus. Enfin, ça ne pas, c'est du tissu qui est, qui est, qui est mort. Donc, euh, la petite dame, ce que je voulais vous dire, c'était que c'était euh, plutôt du second degré superficiel. Ok, ensuite, euh, pour voir l'étendue des dégâts. Il euh, y a deux échelles qui sont qui, qui sont discutées dans les recommandations. Euh, c'est l'échelle de, de Loot and Broder, c'est une échelle qui est peu utilisée parce qu'on on comprend bien quand on voit le, la difficulté qu'on a à, à compter. Il faut avoir une échelle à, à côté de nous, et c'est compliqué. Euh, par contre, l'échelle euh, des neufs de Wallace, ça c'est une échelle qui est à connaître hein, pour les ECN. On peut vous demander de, de calculer l'étendue comme ça, et c'est pas très compliqué finalement. C'est 9 pour toute la tête, face et, euh, et dorsale. C'est 9 pour le thorax, 9 pour l'abdomen, 9 pour le haut du dos, 9 pour le bas du dos. Il euh, y a euh, 9% pour tout le bras, tout l'autre bras, 9% pour la face antérieure des deux, des deux membres inférieurs. Alors la, la caméra est trop zoomée, mais en tout cas vous voyez bien. Et euh, 9% pour la, la face postérieure. Donc ça fait, euh, si je dis pas de bêtises, 11 x 9, ça fait 99. Le dernier pourcent, c'est pour les parties génitales, euh, qu'on estime en moyenne à 1%. Après, ça dépend des gens. Bref, euh, la première chose à penser, on parlait tout à l'heure du premier traitement. La première chose à penser, comme je vous disais, il faut rester dans la réalité. Dans la réalité, vous voyez quelqu'un qui vient d'avoir une brûlure à l'instant. La première chose à penser, c'est d'arrêter la progression. Et pour arrêter la progression de la brûlure, il faut refroidir. Vous êtes à la maison, vous la foutez à la baignoire. La maison est en train de brûler, désolé. Vous ne la foutez pas à la baignoire, vous la foutez à l'extérieur. Mais vous mettez des pansements hydratants. Ou vous l'aspergez d'eau, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, il faut la refroidir immédiatement. Elle est à 38 degrés, mais elle n'a pas, elle, elle elle pas une angine, hein. elle n'a pas une pneumonie. Elle est brûlée. Donc. Elle a commencé à cuire, il faut directement la passer sous l'eau. Euh, ou sur vous de, mettre des pansements hydratants. Les pompiers ont ça, ils ont des pansements très hydratants, on pose, il y a de l'eau qui coule de partout, c'est parfait. Euh, si c'est du premier degré, par exemple, qui est moins grave, on fout une couche de crème. Quelle crème Que ce soit de la Nivea, du dexéril, on s'en fout, une crème hydratante. Arrêter la progression, ça c'est le premier truc à faire. Euh, la deuxième chose à penser, c'est tout ça. Euh, en premier, c'est la volémie. La volémie, il faut remplir, faire un remplissage vasculaire. On ne parle pas de, cette fois, on ne parle pas du premier degré, on parle de cette patiente qui est un petit peu plus grave. Euh, le remplissage vasculaire, tous les experts euh, s'accordent à dire que c'est par le ringer lactate. On n'a pas besoin de savoir quel, combien on en met, c'est des protocoles, malgré tout. Euh, Malgré tout, euh, il faut connaître que c'est ringère lactate, en remplissage et puis c'est tout. Euh, on protège les voies aériennes supérieures, c'est vraiment le deuxième truc à penser, enfin le premier truc à penser avec le reste. Euh, on protège les voies aériennes supérieures et si on voit qu'il y a le moindre problème pour respirer, c'est des gens qu'il ne faut pas hésiter ou, ou qui a une brûlure euh, cervicale, faut assez rapidement penser à l'intubation. L'hypothermie, euh, ça, c'est pas très compliqué. Il faut juste foutre une. Euh, surtout qu'on l'a foutue à l'eau. Donc, il faut pas hésiter à mettre une couverture de survie. Ou à l'hôpital, on a des, des couvertures chauffantes aussi. En tout cas, surtout ne pas rester en hypothermie. Et enfin, alors, ouais, je vais le faire au fur et à mesure. Couverture de survie, couvrir les plaies. Et euh, le truc à ne pas oublier, c'est la douleur. Comme je vous ai dit au début, on reste dans la vraie vie. La patiente, elle a mal parce qu'elle a peut-être un peu de, de deuxième profond ou de, ou de troisième degré. Malgré tout, on peut pas avoir du troisième degré sans avoir du degré superficiel ou du premier degré quelque part ailleurs sur le corps qui fait très mal. Donc, c'est des gens à soigner immédiatement sur la douleur. Alors, ça, c'est dans les recommandations. Euh, je vous l'ai mis parce que c'est le modèle qui est dans les recommandations. Je vous l'explique plus simplement pour que vous puissiez remplir. Euh, vous puissiez retenir, les grands brûlés, c'est une défaillance hémodynamique ou bien hématologique ou bien respiratoire. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué. S'il y a une défaillance hémodynamique, hématologique ou respiratoire, c'est des grands brûlés, c'est de la réanimation spécialisée. La réanimation, ça marche en défaillance. Pour les brûlés graves, ce qu'on appelle les brûlés graves, c'est euh, l'étendue de la surface cutanée brûlée, supérieure à 25%. Le type de brûlure, une brûlure électrique est beaucoup plus grave qu'une brûlure thermique, parce qu'elle s'étend à l'intérieur par, hein, par contiguité, alors que la brûlure thermique s'étend vraiment de proche en proche. Euh, la localisation, effectivement, si vous avez une localisation au visage ou aux mains, le pronostic euh, est quand même très différent de si vous avez une brûlure au niveau du thorax euh, ou de la jambe. Euh, le fait que ce soit circulaire, c'est plus grave. Le fait que ce soit circulaire, on va le voir au bras ou aux jambes, c'est plus grave que qu'une que, qu une brûlure plane. Pardon, je joue avec mon micro, j'espère que ça ne vous fait pas trop mal aux oreilles. Euh, L'inhalation de fumée est un critère de gravité également. Donc voilà, il y a quatre critères finalement à retenir qui ne sont pas très compliqués, qui, en, qui classent le patient comme brûlé grave. Donc... Notre patiente, ça répond un petit peu à ceux qui ont essayé de, de jouer. Euh, alors, on me demande juste, je, re, je relis un petit peu au fur et à mesure, euh, on me demande est-ce qu'on peut remplir par du NACL euh, La réponse est oui, on peut. Maintenant, les recommandations ont été faites avec du Ringer lactate. Euh, maintenant, il n'y a pas de contre-indication à utiliser du NACL à la place. Honnêtement, euh, si vous le faites, ce sera, ce sera très bien aussi. Le G5, non, on ne remplit pas avec du G5. Le G5, ça permet de... ça rajoute de l'eau libre, ça, rajoute... enfin, ça ne remplit pas les, les vaisseaux. Euh, voilà. Donc, on arrive à l'hôpital. Finalement, donc, euh, maintenant, vous êtes urgentiste, vous n'êtes plus au SAMU. Euh, là, à l'arrivée à l'hôpital, la surface cutanée brûlée est à 28% pour ceux qui ont joué. Euh, vous avez mis de la morphine et vous avez eu raison. Il ne faut pas mettre de tramadol euh, chez des gens euh, qui, qui ont... Ah merde, je viens de répondre à cette question. Euh, et vous avez mis des bandes de gel hydratante, du elle est Glasgow 15, euh, et la, la, la brûlure fait maintenant le tour du mollet. Les constantes sont stables et correctes, et elle a une VA à 3 sur 10, ou 30%. Alors, ça va être bientôt à vous, est-ce que vous êtes prêts vous arrêtez la perfusion de lactate Oui, non. Vous commencez euh, les antibiotiques. Vous donnez plutôt un antalgique de palier 2, donc type tramadol ou codéine. Vous pouvez craindre une ischémie des orteils. Vous retirez les parties nécrosées. Ah, pareil, hein, je vais vous laisser 10 secondes pour réfléchir à toutes ces questions. C'est assez rapide, hein, c'est A, B, c, D, E... Alors, on y retourne. Donc, la réponse était finalement, surtout les deux dernières, on n'arrête pas la perfusion d'aringeur lactate. La, la, la perfusion sert finalement plus en préventif euh, qu'autre chose la plupart du temps. Ça, on sait qu'il va y avoir une déshydratation, on sait qu'il va y avoir euh, une hypovolémie chez les patients graves. Donc, on préfère un peu gonfler les vaisseaux plutôt euh, que de se retrouver à courir après. Donc de toute façon on continue. Les antibiotiques, bah, en tout cas dans les recommandations, pas d'indication en antibioprophylaxie. Euh, palier 2, non, on vient de donner de la morphine, et c'était une très bonne idée. On ne donne pas maintenant un palier 2 qui vont se mélanger, qui vont se mettre sur les mêmes récepteurs de la douleur, enfin de les mêmes récepteurs de, 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 des antidouleurs, du coup, des, les récepteurs morphiniques. Donc, pas de palier 2. On reste sur la morphine, c'est très bien. Est-ce qu'on peut prendre l'ischémie la, la, des orteils Oui. Pourquoi Parce que le, ça fait le tour des, du mollet. Comme, comme j'ai dit tout à l'heure, si c'est circulaire, ça fait un effet garrot, en fait, ça fait un effet de syndrome d'éloge. Euh, et donc, du coup, on peut craindre du coup, une, une ischémie, par finalement. Euh, alors, c'est deux choses. Hein. On peut craindre une ischémie par euh, le, 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 cet effet garrot qui va euh, finalement empêcher le, le sang de passer par les artères ou le syndrome des loges à l'inverse. C'est-à-dire, c'est vraiment s'il si y a le, le, un truc circulaire qui va empêcher euh, les veines de, se dé... enfin, de faire passer le sang, et donc du coup, qui vont créer euh, un syndrome des loges. On retire les parties euh, nécrosées pour éviter euh, la prolifération, et surtout pour engendrer une cicatrisation. On est à l'hôpital, on n'est plus au CMU. Euh, le brûler à l'hôpital, donc pour, euh, pour aller plus loin. Quand on est à l'hôpital, euh, on pense déshydratation, infection, euh, déshydratation comme on l'a dit, hein, l'eau le, le, finalement s'évacue euh, du fait de l'absence de, 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 de la barrière cutanée, euh, du fait de, de, de la brûlure. Euh, L'infection, bah, il y a un risque infectieux à ne plus avoir cette barrière cutanée. Il y a un risque de dénutrition par perte euh, de, de, des protéines euh, par cet exuda. et attention au piège le syndrome des loges. On vous parlera du syndrome des loges euh, si vous avez un dossier de grand brûlé. Alors avant de passer au suivant, je fais juste un petit tour pour voir euh, rapidement. Donc voilà, vous avez plutôt répondu euh, DE ou BDE, donc plutôt pas mal. Euh... Si elle se met à chauffer, en première intention, tu mettrais quoi comme antibiotique Rien, comme je vous ai dit. Euh, alors, ça, ça dépend. Si elle se met à chauffer secondairement, euh, de toute façon, elle sera en réanimation. C'est-à-dire, si, si elle commence à avoir un choc sceptique en réanimation, c'est le travail des réanimateurs. Honnêtement, je ne suis pas sûr que ce soit au programme, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait de recommandations claires. Il y a des, 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 des réanimations qui ont tendance à aller directement au TINAM, des, des réanimations plutôt comme la mienne, qui ont tendance à plutôt... Mettre euh, des augmentins ou des choses comme ça, et entre les deux il y a mille trucs. Donc c'est pas l'ECN, mais euh, c'est secondaire ça, c'est à, à la phase initiale, pas d'antibiotiques. Est-ce euh, si, qu'on enlève tôt les parties nécrosées Je vous ai dit, on n'est pas, euh, pas dans le camion du SAMU, on arrive euh, aux urgences là. Euh, ok, donc on en est à Papa. Euh, il est coronarien, il est stenté, il est diabétique, hypertendu, cholestérol, obèse, comme tout bon papa. Euh, il crache de la suie, euh, il a une forte douleur thoracique constrictive, euh, et le CN montre des ondes T négatives. Euh, le but, c'est pas de vous faire un cours sur le, le CG, donc je, je vous montre pas, vous, vous me faites confiance, il a des ondes T négatives qui sont pas belles. Et euh, des constantes qui sont, bon, il est hyper tendu, il, il est euh, un peu en hypoxie, il est un peu euh, fébrile. Alors, Merde. Voilà. Donc, les questions, ça va être à vous. Est-ce qu'on donne deux anti-agrégants plaquétaires, les parines, et on trouve une place de coronarographie Autrement dit, est-ce qu'on le traite comme un SCA euh, ou bien est-ce qu'on le met sous masque de concentration et on demande un caisson hyperbare au régulateur Ou bien est-ce qu'on le met sous amoxicilline euh, et on demande le SAU donc les urgences le plus proche Est-ce qu'on prélève HBCO On a l'HBCO en, en pré-hospitalier Est-ce qu'on le prélève à ce moment-là ou est-ce qu'on attend d'arriver en hospitalier Ou bien c'est -ce inutile, je ne sais pas Est-ce qu'on donne de la vitamine B12 et euh, on va avoir... Ensuite, pourquoi on donne, pourquoi on ne le donne pas, pourquoi j'en parle, je ne sais pas. Enfin, si je sais, on en parle juste après. Euh, donc voilà, je vous laisse à nouveau 10 secondes pour réfléchir à ces questions. Alors, c'est un temps que je passe à lire un petit peu vos vos commentaires comme je vous dis il y a beaucoup de commentaires je ne peux pas tous les lire j'en suis franchement désolé on essaiera de vous répondre de toute façon euh, secondairement euh, malgré tout de ce que je lis euh, de ce que je lis euh, on, je vois, on parle d'une brûlure de second degré en, en fait comme je vous dis on n'est on, on pas à l'ECN, l'idée c'est comme je vous dis de vous parler d'un sujet et de vous faire des, des, des questionnaires aussi pour vous montrer un petit peu quel type de choses on peut vous demander euh, mais effectivement, dans un, un vrai DP, vous n'auriez pas euh, le troisième degré si la patiente a du deuxième degré. Euh... Donc la réponse, non, on ne le traite pas comme un syndrome coronarien si le contexte, euh, c'est une intoxication à la suite. On le traite comme une intoxication à la suite d'une personne fragile, euh, c'est-à-dire un patient coronarien. Et donc on le met sous masque de concentration, on lui, même s'il n'a que 94% entre guillemets de saturation en air ambiant, on le met au masque de concentration, on va lui faire du caisson hyperbar. La moxicilline parce qu'il a 38,5, non. Il n'est pas fébrile parce qu'il est infecté, il est fébrile parce qu'il a été dans une maison et qu'il a aussi un petit peu cuit, même si lui, il n'a pas de brûlure. Est-ce qu'on prélève l'HBCO en préhospitalier Oui. Il sera analysé en hospitalier, donc il sera refait à l'hôpital. Euh, et ça permet un suivi euh, de l'évolution. La vitamine B12, c'est l'hydroxycobalamine, euh, c'est le truc qu'on donne dans, euh, dans l'intoxication le, le, à l'essuie, et c'est si, d'après les recommandations, et d'après le Pili, euh, pas le Pili, le, le Vidal, c'est s'il y a des troubles de conscience, et, des troubles et ou des troubles hémodynamiques. En, dans le cas contraire, on ne le donne pas nécessairement. Euh, donc, quels sont les signes d'intoxication euh, à la suie? C'est si on a des, de la suie dans les VAS, dans les voies aériennes supérieures, donc il suffit de, de, de faire ouvrir euh, la bouche au patient. Euh, si on a des lésions muqueuses au niveau de larynx, à nouveau, il suffit juste de faire ouvrir le, la bouche au patient. S'il y a une rossité de la voix, parce que ça veut dire que les cordes vocales, donc le larynx, a été touché. Euh, S'il y a une dyspnée, une toux, des, une douleur thoracique qui sont aussi des signes d'intoxication à la suite. Et il peut y avoir à l'auscultation à peu près tout et n'importe quoi, des ronquis, des sibilants, des crépitants et par expérience un petit peu tout ça. Alors euh, toujours pareil, euh, elle est aussi intoxiquée à la suite. Euh, elle a 22 ans, mais elle est enceinte. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on va faire pour elle Elle a une saturation à 99%. Elle a une température normale et des tensions normales. Donc, la question, pareil, est-ce qu'on la met sous 2 litres d'oxygène de principe Est-ce qu'on l'emmène au caisson hyperbar Est-ce qu est que le CO passe la barrière placentaire Est-ce qu'il y a un intérêt à voir le gynéco dès l'arrivée à l'hôpital Est-ce que le fœtus, j'ai oublié, n'est pas à risque vital immédiat je vais vous laisser à nouveau 10 secondes, ce qui va me permettre de lire vos commentaires et de voir s'il y a des choses à régler. Alors, euh, bon, juste pour dire, je, je sais que effectivement, euh, dans le protocole d'Evans, vans, s'il y a du, du G5, euh, le G5, comme je l'ai dit et je le répète et je le confirme, et vous le demanderez à tous les réanimateurs, le G5 ne remplit pas les vaisseaux. Ça n'est pas possible. Le G5 n'est pas, un, ne, ne permet pas un remplissage vasculaire. Donc, ils ne peuvent pas vous demander de remplir au G5 ou de réhydrater au G5. On peut mettre du G5 pour faire de l'hyposmolaire en rajoutant éventuellement un peu de, de sodium, euh, ou bien dans l'hypernatrémie, mais euh, on ne peut pas remplir au G5. Donc pour répondre à cette question, est-ce qu'on met euh, de principe 2 euh, litres de 2 à Sophie Non, ça ne sert à rien. L'idée est un petit peu de saturer euh, l'hémoglobine fétale euh, qui, avec à l'oxygène. En gros l'hémoglobine fétale a une affinité supérieure à, au CO que l'hémoglobine adulte. Donc tout le CO qu'elle va récolter va aller sur l'hémoglobine fétale. C'est pour ça qu'elle est à 99%, peinard, mais bébé, il souffre. Euh, L'idée aussi c'est que donc, le CO passe la barrière placentaire et va pareil euh, directement sur le fœtus. Donc on va aller aux questions hyperbares et euh, dans le doute, si vous voulez faire un petit peu de, de masque de concentration. Pourquoi pas Mais en tout cas, pas 2 litres, ça ne sert à rien. Les 2 litres ne vont apporter qu'un petit peu d'oxygène à la maman, qui est déjà à 99%. Ça ne va pas apporter grand-chose. Est-ce que le fœtus est à risque vital immédiat Non. Il n'y a pas de souffrance fœtale immédiate, puisque euh, finalement, le, euh, faut, faut, voilà, il, faut, faut, il faut y aller. Euh, c'est plutôt secondaire, c'est ce que je voulais dire. C'est euh, plutôt une hypoxie euh, sévère qui euh, entraîne des malformations. Euh, des retards de croissance voire des décès mais plutôt secondaires euh, voilà est ce qu'il y a un intérêt à voir le gynéco dès l'arrivée euh, oui c'est décrit comme ça hein. c'est décrit dans les recommandations il faut voir le gynéco pour vérifier la viabilité euh, initiale euh, essentiellement après un stress de, de, de voilà de, de et puis euh, vérifier la vitalité euh, du bébé Enfin, euh, le fils, il est couvert de suie, mais il n'a plus de symptômes. Alors, il est couvert de suie, il n'en a pas dans la bouche, j'ai oublié de préciser. Par contre, il est hypochondriaque, et euh, cette question me permet juste de vous parler des autres risques de l'intoxication euh, au CO. Euh, Est-ce qu'il y a des risques neurologiques, pulmonaires, irréversibles, euh, cardiologiques, hémodynamiques ou rénaux Alors, est-ce que les, le grand brûlé c'est 20% ou 10% ou etc Je vous ai mis mes sources, hein. après vous pouvez aller vérifier sur mes sources. Euh, généralement, je prends des, les choses qui sont reconnues euh, par les urgentistes, par les réanimateurs. Donc, euh, vous pouvez faire confiance dans tout ce qui a été écrit dans le diaporama a été vérifié sur des sources de recommandations fiables et de référence. Alors, dyspnée, voire rauque, tu intubes rapidement. Pas nécessairement. C'est-à-dire s'il y, y a juste une voix rauque et un petit peu de fuite dans, dans la bouche, mais qui respire parfaitement normalement, on peut attendre de voir. Alors, donc, on va pouvoir répondre à cette question. Donc, est-ce qu'il y a des risques neurologiques de, euh, de l'intoxication au CO oui, il y a des risques neurologiques, il y a des troubles de l'attention qui, qui ont été décrits, euh, des troubles praxiques, cognitifs, des convulsions, des comas, finalement des troubles ischémiques cérébrales. Et on peut bien comprendre pourquoi physiologiquement il n'y a pas besoin euh, de réfléchir beaucoup. Euh, pulmonaire irréversible, il n'y a rien qui a été décrit de pulmonaire irréversible, c'est toujours réversible dans l'intoxication euh, à la suite. Euh, au niveau cardiaque, c'est transitoire habituellement, c'est des engores, c'est des. Des, des, des infarctus euh, qui, re, qui retrouvent pas mal, c'est des OAP euh, qui, eux, sont, trans, sont transitoires si on les traite, enfin, les infarctus aussi, souvent on les traite, mais honnêtement, ça donne essentiellement des angores qui sont très très fréquents, qu'on voit, voit essentiellement ça hein, quand on part sur un incendie. Beaucoup de gens, surtout euh, des gens de, de la catégorie euh, physique de ce que j'ai décrit euh, présentent une douleur thoracique. Parfois, effectivement, il y a des, des signes OCG, mais euh, en dehors de signes inquiétants et persistants, euh, on ne va pas forcément, en tout cas, on ne court pas à la coronarographie. Euh, c'est vu euh, un petit peu secondairement. Ça peut être quelques heures plus tard, ou ça peut être le lendemain, si ça persiste. Donc ça, c'est pour l'infarctus. Euh, et puis pour l'OAP, généralement, on le traite quand même. Hémodynamique, oui, il y a des troubles hémodynamiques. Euh, et rénaux, non. Je juste rajouter ça. Un petit point sur l'HBCO, je ne suis pas sûr que ces chiffres soient à prendre, mais dans le doute, je les avais appris quand même. Je n'ai pas trouvé de référence où c'était noté euh, si c'est à prendre ou non. Dans l'idée, c'est pas très compliqué, c'est 3, 6, 9 finalement. Euh, pour un non-fumeur qui n'a pas de signe clinique, à 3%, on s'en fiche. Pour un fumeur, bah, c'est le double. Hein. Euh, la référence de la normalité, c'est-à-dire à 5% si on fume, c'est normal. Euh, 6%, euh, non pardon, c'est là les fumeurs. 6%, c'est normal, c'est le même chiffre. Pour les non-fumeurs, euh, euh, voilà, bon, tout est écrit dans le tableau, c'est pas très compliqué. S'il n'y a pas de signe clinique, on prend des références plus élevées en se disant que euh, ça peut être quelqu'un qui a euh, une variance de la normale. S'il y a des signes cliniques, on est un peu plus euh, intransigeant sur les chiffres dans l'idée euh, que ça se traite et que ça peut être grave. Euh, un point sur le caisson, ça vous aurez, comme je vous disais tout à l'heure, le, le diaporama. Euh, donc ne, ne prenez pas de notes, mais c'est globalement un peu ce qu'on a dit. C'est, enfin, le, le caisson hyperbar a une indication si euh, si c'est un enfant, c'est assez large. C'est écrit comme ça dans les recommandations. Indication large chez l'enfant, des pathologies cardio pulmonaires préexistantes ou une modification de l'ECG, une grossesse. Et évidemment, les trucs plus évidents, s'il y a convulsion, s'il y a des troubles de conscience, s'il y a une perte de connaissance initiale, s'il y a des signes neurologiques, je pense que tout le monde pensera aux questions hyperbares dans l'intoxication. Contre-indication, attention pour les gens qui ont un pneumothorax, donc euh, quand on parle de douleur thoracique, gardez en tête est-ce qu'il a pas un pneumothorax Manifestement, celui-là, non, on ne peut pas parler de pneumothorax s'il n'y a pas au moins un petit indice dans l'énoncé. Le, dans le, dans et le bronchospasme majeur, mais ça, pareil, dans l'énoncé, vous aurez un truc qui sera télescopé. Alors, euh, on va parler maintenant un petit peu de l'arrêt cardio-respiratoire. C'est un peu, entre guillemets, la base de mon métier au SAMU, euh, et c'est toujours intéressant. On enchaîne donc sur un arrêt cardiaque. Il a 70 ans, il est diabétique, hyper tendu. Euh, la femme nous dit qu'il a un problème au cœur. Et à notre arrivée, les pompiers ont commencé le massage cardiaque externe. Quelle est l'information qui sera déterminante pour le pronostic de cette réanimation Alors, pareil, hein, c'est une question ouverte, je sais. Les OCN ne fonctionnent pas comme ça. Mais c'est le truc qu'il va falloir euh, rechercher. Alors, juste avant, je me, suis, je me dis, est-ce que... Ouais, alors oui, effectivement, l'insuffisance rénale aiguë sur la rhabdomyolyse, sur le syndrome des loges, alors non, on ne parle plus de brûlure. Le, le, le syndrome des loges, c'était pour les brûler. Euh, je parle là euh, de, de l'intoxication à la suie et au CO. Donc, pas de, de, pas de syndrome des loges, pas de rhabdomyolyse, on était passé à un, un autre sujet. Blablabla, ouais, donc je vois que beaucoup de gens ont trouvé... Euh, la réponse à la question actuelle, c'est surtout le no-flow. Il no euh, y a le low-flow, il y a le no-flow. Mais c'est surtout le no-flow. Le no-flow est déterminant. Ça a été prouvé. Euh, un no-flow qui est suffisamment long, la probabilité, enfin, suffisamment long, je crois que c'est 12 minutes, 12 ou 15 minutes, euh, le, la pro, le pronostic est à peu près à 0%, 0, quelque chose. Donc au-delà finalement de 15 minutes... Le massage et la réanimation n'est là que pour aider psychologiquement les proches à s'en sortir. Euh, médicalement, ça n'a pas d'intérêt. Donc le no-flow est déterminant. Qu'est-ce que le no-flow pour ceux qui ne savent pas trop ce que ça veut dire Le no-flow, c'est le temps entre l'arrêt enfin, le... cardiaque présumé et euh, le début du massage cardiaque externe. Donc le temps où finalement le monsieur est tombé. Monsieur ou la dame est tombé et il n'y a pas eu de réanimation du tout, il n'y a pas eu de massage cardiaque. Le low flow, c'est le temps du massage cardiaque, c'est-à-dire le temps entre le moment où le massage cardiaque est débuté et le moment soit de l'arrêt du massage parce qu'il est mort, soit de l'arrêt du massage parce qu'il a repris un rythme. Donc ce low flow est déterminant pour le pronostic, c'est-à-dire qu'un low flow qui est très long avec une reprise de, du rythme, un mauvais pronostic sur le plan neurologique. Le cerveau a eu un low flow, c'est-à-dire un, un flux euh, intracérébral de sang et donc d'oxygène, très long. Donc du coup, il, il risque d'y avoir des séquelles. Quelqu'un qui aurait un low flow de 5 minutes, 3 minutes, c'est quand même de bien meilleurs pronostics. Donc le no-flow, gardez toujours ça en tête. Alors. Euh, Pareil, euh, pour ceux qui, euh, qui, qui, celui qui m'a posé la question euh, du, euh, du, du, de, de mélanger, effectivement, on n'est pas sur le CN. Je vais vous montrer tout un tas de, de, de choses qu'on peut voir sur le scope dans le cas d'un arrêt cardiaque. Donc, on part sur l'idée que c'est un arrêt cardiaque le monsieur n'a pas de pouls, Donc, c'est un arrêt cardiaque. Et après, en fonction du scope, on vous allez me dire si on choque ou si on ne choque pas. On est parti on est parti. Voilà. Est-ce qu'on choque Est-ce qu'on choque pas Je veux juste oui, non. Je veux juste des oui, des non. Est-ce qu'on choque Est-ce qu'on choque pas La réponse est non. Euh, c'est un, une asystolie, donc on choque pas. On, on va voir après les protocoles en fonction de si on choque ou si on choque pas. Mais en tout cas, rythme choquable, rythme non choquable, c'est euh, le plus important au début de la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Euh, dans, le, dans la prise en charge. On ne choque pas. Ensuite, hop, on choque ou on ne choque pas Bien, il n'y a que des noms. Ensuite, pour celui-là, est-ce qu'on choque ou est-ce qu'on ne choque pas Oui, c'est une fibrillation. Donc on défibrille la fibrillation ventriculaire. C'est une fibrillation ventriculaire. Pourquoi Parce que, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas voir un seul QRS qui ressemble au suivant. Il n'y a pas de QRS. Est-ce que c'est celui-là qui est positif Est-ce que c'est le suivant qui est négatif C'est impossible de savoir. Le rythme est anarchique. C'est un grabouillage. C'est une fibrillation ventriculaire. Donc, on défibrille, on choque. C'est pour ça que ça a été créé. Quelles sont vos réponses Choc, choc, oui, toujours pas, ah, si. Oui, 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 oui. vous êtes bon, vous êtes bon. Next. Ah oui, alors attendez que je me mette en haut. Tac. Voilà. Là, donc toujours pas de poux. Euh, inconscient. Glasgow 3, pas de poux. Et vous avez ça. Est-ce qu'on choque Est-ce qu'on choque pas Bon, je vois des QRS larges. Je sais pas trop. Alors, donc ce monsieur a pas de pouls, il est donc en arrêt cardiaque et il a un rythme sans pouls. Un rythme sans pouls, ça ne choque pas. On fait la prise en charge, pas de choc. Next. Alors, ça, c'est une vraie histoire hein, de malheureusement une infirmière jeune et zélée. Jeune en Manque d'expérience, zélé avec beaucoup de bonne volonté et qui vient euh, me montrer le CG d'une personne qui gaspe en disant elle respire pas bien, du coup dyspnée, je t'ai fait un CG. Qu'est-ce qu'elle a Est-ce qu'on choque Est-ce qu'on choque pas Je vois du non, du oui, donc euh, ça commence à devenir compliqué et ça me plaît quand ça devient compliqué. Euh, donc cette personne est en train de gasper, elle est en arrêt cardiaque. Elle n'a pas de pouls, elle n'a pas une respiration efficace, elle a une, des, des, des mouvements archaïques euh, respiratoires qui, euh, qui, qui entrent dans l'arrêt cardiaque. Elle est en arrêt cardiaque, elle a une fibrillation ventriculaire, de la même manière que tout à l'heure. Hein. On ne voit pas de... Est-ce que euh, je vais vous montrer là avec la petite flèche là ah, Je ne sais pas si on voit ma petite flèche, mais en gros, euh, on voit des qui ont l'air négatifs, on en voit qui ont l'air positifs, mais après tout, est-ce que c'est l'un ou est-ce que c'est le suivant C'est une fibrillation ventriculaire. On choque. Ah, est-ce qu'on me parle de torsade Non, ce n'est pas une torsade. Vous allez comprendre. Est-ce qu'il y a un pacemaker Non. La ligne que vous voyez au milieu, c'est la ligne qu'a qu écrit le, le CG parce que euh, on passait de V1 à V4, de V2 à V5, de V3 à V6, etc. Donc il n'y a pas de pacemaker. Un pacemaker, vous en, aurez, vous en auriez sur tout le long de, de l'ECG, pas seulement une seule fois. Next. Là, qu'est-ce qu'on fait Je choque, je choque pas. Pareil, hein, elle, elle est morte, elle n'a pas de pouls. Euh, et j'ai même mis le scope et j'ai trouvé ça. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Eh bah ben oui, je choque. Je choque. Euh, c'est ce qu'on appelle une tachycardie ventriculaire. La tachycardie ventriculaire ne se choque pas nécessairement, mais dans le cadre de l'arrêt cardiaque, elle se choque. Et c'est ça le, la chose importante à retenir sur cette diapo. Le, la tachycardie ventriculaire, on en a sur des gens qui sont bien vivants et qui ressentent des grosses palpitations. On fait le CG, on trouve une tachycardie ventriculaire. Je suis au SAMU. J'ai une personne qui est Glasgow 15 qui me dit qu'elle ne se sent vraiment pas bien, elle a une douleur tôt, elle est en, en palpitation. On fait une ECG, j'ai ça, je ne choque pas. Je refais une multitude d'ECG. C'est ça le, le truc que voudra le cardio, c'est voir des ECG, ECG, ECG. Pourquoi Pour bien identifier que c'est bien euh, une tachycardie ventriculaire et pas un Wolf Parkinson-White. Une ACFA euh, rapide euh, avec élargissement des QRS. Euh, il, il faut en faire plein. Et comment on va faire la différence D'abord, est-ce que c'est une ACFA C'est très facile. Bah, on prend un petit bout de papier et on, on trace, on voit ce qui se passe. Euh, et ensuite, il y a des petits signes qu'on peut voir euh, sur le CG directement. Et je ne sais pas si vous le voyez à la fin, de, de quand vous voyez D3, un petit peu à la fin des trois pas loin de VF. Il y a ce qu'on appelle une capture. En gros, on a capturé un petit complexe QRS qui est fin. Et puis, il y a un mécanisme de fusion, quelque chose comme 3, 6, 9 complexes plus tard. Vous voyez qu'il y en a un qui fait un peu office de vilain petit canard. Il ne ressemble, à... ressemble pas du tout au précédent et au suivant. Et en gros, c'est une fusion entre le QRS large balancé par le ventricule et le QRS fin euh, balancé par les oreillettes. Cette fusion entre les deux donne un truc un petit peu mix, c'est-à-dire plus fin et euh, qui n'a pas le même angle nécessairement, puisque ça ne vient plus d'en haut, ça vient d'en bas. Euh, c'est-à-dire ça vient plus des oreillettes, ça vient un peu des ventricules et un peu des oreillettes, donc du coup ça fait une fusion entre les deux. Donc fusion et capture. Si on a ça, ça signe un peu une tachycardie ventriculaire. Mais là, on revient à ce, ce, au sujet d'aujourd'hui. On n'est pas dans le patient Glasgow 15 qui va bien. On est dans le patient qui est en arrêt cardiaque. Donc, on ne va pas tergiverser une demi-heure. On a une tachycardie avec complexe large. Si vous choquiez une, une acfa, euh, déjà une, une acfa dans l'arrêt cardiaque. Moi personnellement, j'en ai, ai jamais vu et un wolf parkinson White en arrêt cardiaque. De toute façon, ça choque aussi. Donc, on n'est pas là pour faire de la, de la rythmologie fine on voit une tachycardie à QRS large dans un arrêt cardiaque, on choque. Qu'est-ce que vous avez dit Vous avez dit plutôt oui, plutôt non Ouais, TV, choc TV, ouais, ouais, TV, on choque, CFV TV, ok, ok. Euh, bon, pour plus de détails sur les ECG et sur les, les troubles du rythme notamment, euh, chez Cartesia, euh, il y a aussi des, une conférence cardio qui est très très bien. Allez, suivant. Suivant, qu'est-ce que vous en pensez On vous montre cet ECG-là, il est toujours décédé, il n'y a toujours pas de poux. Plutôt oui, plutôt non. Plutôt oui. C'est à nouveau une fibrillation. C'est facile à trouver. Alors, euh, vous voyez des QRS, vous regardez le suivant, vous regardez le précédent, ça ressemble à rien. Euh, vous essayez d'en trouver un similaire un peu plus loin, vous ne trouvez pas. Euh, C'est une fibrillation ventriculaire. On choque. Euh, suivant, qu'est-ce qu'on voit là? On voit... Est-ce qu'on choque, est-ce qu'on choque pas? J'allais vous donner la réponse. Alors, est-ce qu'on choque, est-ce qu'on choque pas? Alors en fait l'idée c'est que vous voyez il euh, y a des petits il euh, y a des ondes P un peu partout une fois de temps en temps il y a un QRS et ensuite ça retourne sur du plat. Donc là on est en asystolie ou en pause sinusale hein, et puis ensuite ça a l'air de reprendre et ensuite ça part en fibrillation ventriculaire. C'est un, un trouble du rythme gravissime hein, c'est un bloc auriculaire un bloc auriculo-ventriculaire euh, complet de type 3. Euh, qui se passe mal hein. donc quand elle est en, en asystolie ça ne sert à rien de choquer quand s'il repart comme cela ça arrive souvent qu'il reparte spontanément à ce moment là on, on va choquer mais de manière séquentielle en gros on va faire une stimulation externe euh, si ça fonctionne c'est très bien s'il si part en fibrillation on va faire un vrai choc attention on ne met pas le même voltage et vous n'avez pas à l'apprendre dans la stimulation externe, vous n'allez pas apprendre quel est le, le voltage dans la stimulation externe, et dans le choc euh, pour un arrêt cardiaque. Bon, ça c'était un peu pour la petite histoire. Là, je, comme je vous dis, on va aller plus loin, mais je pense vraiment, vraiment pas que vous ayez ce genre de, de CG, j'espère pas pour vous. Alors, et ça maintenant, qu'est-ce qu'on fait Alors, je vois que vous avez... Il y en a des, des très bons. Hein. Il y en a qui ont... Isuprel, oui, c'est une bonne idée. Euh, voilà. Enfin, je, je suis d'accord. Je vous renvoie aussi, effectivement, euh, à la conférence de cardio, mais effectivement, c'est un BAV3. On peut accélérer un petit peu le cœur avec de l'Isuprel. Voilà. Et maintenant, est-ce que c'est une TV Eh bien, non. En fait, non. C'est pas vraiment une TV. Vous voyez qu'en fait, c'est pas tellement une tachycardie, hein. je, si j'essaye je, de, de voir, euh, on est à 300, 150, 100, on est à 100 par minute. Une tachycardie ventriculaire à 100 par minute, ça n'existe pas. On est plutôt sur du 200 minimum. Là, on n'est pas sur une tachycardie ventriculaire, on est sur une, un rythme à QRS très large, avec des ondes T qui sont énormes, euh, des QRS qui sont complètement déformés. Mais qui sont toujours les mêmes, on n'est pas sur de la fibrillation ventriculaire, vous voyez que tous les QRS se ressemblent. Euh, Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une hypercalémie. Donc le traitement, c'est surtout le traitement de l'hypercalémie. On lui fout beaucoup d'insuline, beaucoup on lui fout surtout, avant tout, euh, le gluconate de calcium, et euh, l'insuline, etc., etc. Mais en tout cas, euh, pour répondre à la question en haut de la diapo, on ne choque pas ce truc-là, ça ne sert à rien. N'est pas électrique, il est métabolique. Et enfin, ce truc-là, qu'est-ce que c'est Est-ce qu'on choque Très bien, très bien, très, très bien pour ceux qui disent hypercalémie, hypocalémie ratée, pas loin. Euh, gluconate de calcium, très, 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 très bien. Euh, le gluconate de calcium, juste pour, euh, pour rappel, euh, ça dure 10 minutes hein, l'efficacité, donc euh, c'est juste pour sauver le cœur. Et donc c'est très très bien d'y penser, c'est pour essayer de sauver le cœur. Et par contre, le traitement de l'hypercalémie, c'est l'insuline, c'est les bétadiomimétiques éventuellement, mais ça marche quand même moins bien, euh, que l'insuline, et euh, c'est euh, dans les cas gravissimes comme ça, euh, le bicarbonate. Qu'est-ce qu'on fait pour ce patient-là Pour ce patient-là... Eh bien, on choque. Alors, attention, effectivement, vous avez dit torsade de pointe, il y en a qui disent on choque pas, ils ont probablement raison. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est, euh, là on est, je vous, je vous passe juste des ECG, la torsade de pointe, c'est souvent des salves. C'est pas comme la TV ou la fibrillation ventriculaire où généralement bah, ça part pas tout seul. La, la torsade de pointe, je voulais couper exprès parce que ça c'était mon patient et il n'était pas en arrêt. Mais dans la torsade de pointe, ça revient à la normale. À la fin de l'ECG, bah, normalement, il revient à la normale. La torsade de pointe, c'est quoi Vous voyez, en fait, si vous regardez attentivement, les ondes euh, QRS sont d'abord positives, ensuite elles passent nulles, ensuite négatives, et ça fait comme ça, ça fait des balancées qui sont généralement assez lents, hein, sur, euh, sur 5 secondes. Hein, c'est pas sur 3 QRS, il y en a un comme ça, un comme ça, c'est pas possible. C'est vraiment sur 5 secondes, c'est une tachycardie Inefficace, qui est d'abord positive, ensuite négative, ensuite positive, ensuite négative. Ça se tourne autour de l'axe isoélectrique. C'est comme ça que c'est décrit. Euh, ça, c'est soit des salves, et à ce moment-là, on ne choque pas, soit ça, ça devient un peu plus continu, et à ce moment-là, il y en a qui euh, proposent de choquer la torsade de pointe. Qu'est-ce que vous dites Choc, torsade, choc, choc, torsade, oui. Euh, sulfate de magnésium, oui. Alors, euh, celui qui m'a dit hypokaliémie tout à l'heure, il avait raison. C'est plutôt dans l'hypokaliémie. Enfin, il avait raison pour celle-là, pas pour le, la précédente. Euh, c'est souvent des hypokaliémies. Donc, le traitement, c'est le, le potassium et le sulfate de magnésium. Le sulfate de magnésium va le, surtout gérer plus rapidement, en fait, en, en, en faisant sortir, finalement, du, du, du potassium euh, pour un, un usage immédiat. Et euh, il faut rajouter du potassium dans, dans les veines euh, pour en remettre dans les cellules. Tac, 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 euh, sulfate de magnésium, traitement de l'hypocalémie. Vous avez raison, ceux qui se sont exprimés en tout cas. Donc, hop, je m'en mets à gauche. Voilà. Donc, deux, deux choses, deux, deux catégories. On en a parlé. Il y a les rythmes choquables et les rythmes non choquables. Il faut bien identifier dans quelle situation on se trouve. Et une fois qu'on a identifier dans quelle situation on se trouve, la prise en charge est facile. Il n'y a pas plus ballot, bateau qu'un qu arrêt cardiaque. Soit on est dans le rythme non chocable et à ce moment-là c'est le truc le, le plus bateau qui soit, c'est on branche le défibrillateur, on intube, l'infirmier pose la voie veineuse, on commence le massage et on fait de la drée toutes les 4 minutes. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à apprendre. Je pense que vous avez déjà appris le rythme non chocable c'est simple ça se trait enfin ça se, se met en place en 5 minutes en cinq minutes tout le, le patient il est techniqué et puis l'infirmière est comme ça à attendre ses 4 minutes et à pousser toutes les 4 minutes un milligramme tout simplement alors par contre le rythme chocable c'est un peu plus compliqué mais vous allez voir pas tant que ça je me remets en, en haut à droite donc, je vous ai fait ça pour vous montrer à quel point c'était pas très compliqué. Euh, on branche le défibrillateur, l'infirmier pose la voie veineuse, le médecin euh, un tube, jusque-là ça ne change rien. Euh, on choque une fois, alors théoriquement en biphasique à 150 joules. En... Pourquoi je dis théoriquement C'est que souvent dans la vraie vie, vous arrivez, vous demandez au pompier combien de fois ça a été choqué. Ça a été choqué une fois ou deux fois, et du coup, vous arrivez un peu au milieu de la prise en charge, et vous n'avez pas à régler à 150 joules. Mais si vous êtes, alors, comme ça arrive régulièrement, hein, ça peut arriver aux urgences, euh, le premier euh, sur les lieux, donc votre patient vient de faire un, un, un arrêt cardiaque, donc vous branchez le, le défibrillateur, euh, pour avoir aussi, donc le défibrillateur met un scope, hein, met un rythme, ça vous permet de suivre ce rythme, et de lancer donc les défibrillations, donc 150 joules biphasiques, puis 200 joules toutes les 4 minutes. Et quand on en est juste avant le quatrième choc, adrénaline 1 mg, plus cordarone, donc trois 300 mg, ça veut dire 2 ampoules. On, on met les drogues, on choque, on masse. Attention, dès que vous avez choqué, vous massez Regardez pas, est-ce que maintenant le pouls est reparti, etc. On masse. Où est-ce qu'on surveille si on a besoin de rechoquer, où est-ce qu'on surveille si on a besoin de, de remettre des drogues Eh ben, c'est juste avant le prochain choc. On arrête deux minutes le massage, on regarde, il n'y a pas de pouls, euh, on est toujours en fibrillation, on relance un choc et ensuite, éventuellement, on relance des drogues. Donc les drogues, c'est d'abord avant le quatrième choc, euh, la l'amiodarone et l'adrénaline. Après le choc, c'est-à-dire avant le choc suivant, donc c'est 4 minutes après, adrénaline et amiodarone, demi-dose, c'est-à-dire une ampoule au lieu de deux. Et ensuite, on arrête l'amiodarone et on fait que des chocs toutes les 4 minutes et l'adrénaline toutes les 4 minutes. Donc à partir de, voilà, de, de, des deux derniers éclairs là de, de ma diapo, ça rejoint... Euh, le rythme non chocable, c'est-à-dire adrénaline toutes les 4 minutes, avec des chocs en plus. Donc voilà, c'est pas très compliqué, hein. j'espère Je, avoir été clair avec ce schéma que j'ai essayé de rendre le plus visuellement simple possible. Quatrième choc, adrénaline amiodarone, cinquième choc, amiodarone, adrénaline, mais amiodarone demi-dose, et ensuite que de l'adré et des chocs toutes les 4 minutes. Tout simplement. Alors, juste euh, quelques mots pour euh, finir sur. Alors, je vais me remettre à, pardon, à gauche. Euh, sur l'importance du massage cardiaque externe, euh, c'est ça qui a prouvé le plus d'efficacité. Le reste, c'est du blabla. Même l'adrénaline, euh, ça, ça a prouvé récemment son efficacité. Mais euh, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le massage cardiaque. On a parlé du no-flow on a parlé du low-flow. Le no-flow est déterminant. Donc, le massage cardiaque, il faut vraiment mettre le, le, le point là-dessus et si vous avez un arrêt cardiaque dans votre dans, dans un examen, vous aurez le massage cardiaque qui est mis à l'honneur. On fait le massage cardiaque, on masse tout le temps, on masse le plus possible, même l'intubation doit être faite, enfin l'arrêt du massage cardiaque doit être vraiment le plus minimal possible pour vraiment euh, éviter euh, l'arrêt du massage cardiaque prolongé et, euh, et on, repre, on choque et on reprend le massage. Dès qu'on choque, on reprend le massage. Et ensuite, on surveille l'efficacité du choc 4 minutes après, c'est-à-dire avant le prochain choc. Pas juste après le choc. Euh, J'espère avoir été clair. Euh, un mot aussi sur l'hypothermie euh, thérapeutique. L'hypothermie thérapeutique, ça a prouvé euh, son efficacité euh, et ça prouve de plus en plus. Il y en a qui posent la question de le mettre au SAMU. Euh, pour l'instant, les études que j'ai lues ne montrent pas vraiment une supériorité, c'est généralement pas suffisant. Euh, L'hypothermie n'est pas atteinte avant l'arrivée en réa. Donc il faut en, le connaître pour la réanimation. C'est-à-dire que souvent, très très souvent, dans la majorité des réanimations, ils font une hypothermie thérapeutique pour les arrêts cardiaques récupérés. En gros, on met du liquide froid dans, le, dans les gens ou euh, par des gaz. Peu importe, vous n'avez pas tellement à connaître ça. Euh, mais en tout cas, on refroidit les gens, on les met en hypothermie à 33 degrés, 34 degrés, euh, parfois 32, et euh, on les laisse stables comme ça pendant un certain temps, le temps de sidérer un petit peu les cellules pour éviter euh, que l'ischémie se propage. L'ECMO, euh, bah, euh, il faut en entendre parler aussi, assez rapidement chez une personne jeune qui a un no-flow et un low flow très limité. Euh, on peut parler d'ECMO, mais par expérience personnelle, l'ECMO, il faut arriver dans l'heure après le début de l'arrêt cardiaque, et parfois même c'est dans la demi-heure après le début de l'arrêt cardiaque, sur la table d'ECMO, ce qui est rarissime. En deux ans et demi, j'en ai, enfin, ai fait poser deux. Euh, et des arrêts cardiaques, euh, j'en ai vu. Donc euh, les il faut en entendre parler. Euh, Peut-être qu'on vous en posera la question, mais bon, c'est pas c est, c est pas le principal de l'arrêt cardiaque. Voilà. Donc j'espère que ce, ce cours vous a plu. Euh, c'est un cours euh, qu'on m'a demandé de faire rentrer dans une heure. Donc du coup, euh, j'ai retiré euh, une autre partie qui sera euh, pour les gens qui s'inscriront à Cartesia euh, l'année prochaine. Euh, donc voilà, c'est pour vous donner aussi un une idée de ce qu'on fait à, à Cartesia. Il y, a des, il y, a, il y aura plusieurs comme ça, euh, conférences publiques euh, qui vous montreront ce genre d'exemple. Euh, pour aller plus loin, donc, euh, vous pouvez retrouver donc les, les conférences de Cartesia qui sont déjà existantes en cardiologie, en oncologie, en néphrologie euh, sur le site de Cartesia, en replay pour le coup, euh, celles qui ont été faites cette année. Et l'année prochaine, il y aura plus de matières, a priori de ce qu'on m'a dit 15 matières. Euh, qui ont été euh, développés par les prochains conférenciers. Euh, pour être au courant des actualités, donc, vous avez la page Facebook qui est accessible par ce lien euh, que vous trouverez donc dans le. Enfin, c'est un bit.ly, donc c'est facile à, à recopier, mais euh, vous l'aurez dans le euh, PowerPoint qui est accessible dans les commentaires toujours. Et je vous remercie à tous et à toutes de votre attention. Je juste regarder si entre-temps j'ai eu des questions euh, qui arrivent. Euh, alors effectivement, il euh, y en a qui me disent est-ce que c'est avant le troisième choc ou avant le quatrième choc. Euh, j'ai revérifié mes recommandations avant de euh, vous l'écrire évidemment. Il euh, y en a qui disent que c'est le troisième choc, il hein, y a des recommandations qui disent ça, mais les recommandations euh, que j'ai utilisées, c'est-à-dire les références en médecine d'urgence et en réanimation, parlent bien du quatrième choc. Voilà, merci beaucoup.